Allez, c'est parti, on va à IKEA finir nos petits achats post-déménagement. Donc voilà. Quoi? Tu vas prendre la douche à IKEA? Ok, ouais, Mouna se rappelle la dernière fois, on a fait le 24 heures à IKEA. Bon, on n'a pas totalement fait 24 heures. Hein. Alors, on aurait pu, mais bon, on l'a pas fait. C'est parti, on se retrouve dans le magasin. Allez les filles, on y va. Allez, c'est parti, on arrive à IKEA, on y va. Let's go. Donne-moi la main, Ibrahim. Non, faut pas. Allez, ça fait longtemps qu'on n'est pas venu à IKEA depuis. Ça fait un petit moment. Et là, on a presque terminé notre cuisine. Donc là, on vient chercher la dernière pièce de la cuisine. Bon, il restera encore d'autres choses à la cuisine, mais. Là, la petite porte qui manque. Oh là là, elle se donne la main, les copines. Et les copines! Allez, vous êtes prêts pour la petite porte qui tourne? Oui, on est prêts aussi pour la douche. Hein. Parce que là, ouais, peut-être qu'on va pas aller là-bas. Hein. On a vraiment besoin de faire ce qu'on doit faire. Allez, attention! Allez, Mouna! Attends, Aya, attends. Aya, touche pas. Allez, allez, on rentre. Il n'y a qu'à IKEA qui a ça. T'approches pas trop parce qu'il y a un détecteur. C'est au derrière qui met. Allez. Doucement. J'ai peur. C'est là, regardez. Là, là. Oui. Bah oui, je vous ai pris en photo. On peut faire Oui. En photo. Et regardez, il a une couronne. Il a une couronne de fleurs. Oui, on a le droit de monter. Allez, c'est parti. T'en avais un, Mouna, tu te rappelles? Et Aya, vous vous rappelez de la bascule comme ça là? Non. De licorne? Oui. Et tu lui touchais les oreilles et elle faisait le bruit du cheval? Oui. Ouais. Il s'était cassé, non? Oui. Il était encore propre en plus. Hein. En plus, il était. Mais ça, t'as pas joué avec. Allez, ciao, je vous laisse ici, je vais vous récupérer tout à l'heure. Allez, bye bye, ciao. Ciao, ciao. Allez, c'est parti. On met bien le pied. Hop, t'as mis le pied au milieu, Mouna. Yeah. C'est leur partie préférée celle-là. Tu te rappelles quand t'as chanté I'm a Baby Girl? T'étais là, je me rappelle. T'étais là. Vas-y, chante I'm a Baby Girl. Oui. Non, mais ici, là, t'es pas obligé d'aller là-bas. Et. On est arrivé. Hop là. Bon, c'est parti, on est dans le coin exposition. Ils vont tester tout ce qu'il y a dans le magasin. En plus, c'est assez vide, donc au revoir, Ibrahim. Tu es dans ta bulle? Tu es dans ta bulle? Attends, je te tourne. Oh, chut, oui, doucement. Ça y est, on est à IKEA. Et tout de suite, bon, on est rentré par le côté exposition. Et j'avais déjà vu repérer ces petits sacs de rangement à 1,99€. Voilà, il y a les 55 x 49 sur 19 là. Je vais en prendre. Voilà, pour ranger les couvertures. Oui. Ça va? Oui. Allez, on y va, on y va. En tout cas, il commence déjà à faire la fête là. Allez, Moumou. Ibrahim, tu pourrais te calmer s'il te plaît? Ah, il te va bien. Hein. Vas-y, assieds-toi, Ibrahim, assieds-toi. 45 euros. Il coûtait beaucoup moins cher à l'époque. Je voulais te l'acheter. Relax. Ouais, relax. Et j'en voulais trop un, moi aussi. Quand Mouna, elle était tout bébé, j'en voulais un. Tu pousses pas ton frère avec ton pied, Aya. C'est pas correct. Non, c'est Ibrahim qui m'a tiré. Ah oui. Tu as trouvé une pièce secrète, Mouna? Il y a une pièce secrète. Waouh. Et Ibrahim, il a trouvé une autre pièce. Ah. Coucou! Ah, c'est trop drôle! On a trouvé trois pièces secrètes! Vas-y, je veux bien voir ça! Viens, mon cœur! Waouh! Elle est trop belle, cette chambre! On a trouvé 4 pièces secrètes. Ah, j'aime trop! C'est trop bien, ça, j'avoue! Ça leur fait un petit cocon, regarde ça! C'est ça, là! J'ai trouvé un avion, viens voir, là! Ouais, Aya, t'es passé par où, Aya? Quoi? Il y a un autre passage secret? Ouais. Mais c'est. Waouh! Oh, c'est trop trop bon! On n'a pas vu ça la dernière fois! Ouais.
Oh dommage, ça s'est fermé. Waouh, une fusée. Et une tête d'astronaute. Ah, c'est un miroir. Trop cool. Allez, fermez la porte. Attention, on va chauffer le gaz. Bye bye. C'est bon, vous êtes arrivés. Vous êtes sur la lune. Vous êtes... Ah, dès qu'on vient à Ikea, ça y est. Bon, allez, marche comme sur la lune. Ouais. Il est où, Ibrahim? Ibrahim, il s'est caché. Il faut chercher Ibrahim. Il est... Je vais te trouver. Il est là-dedans. Il est là-dedans. Cherchez, cherchez. Il est où? Il est en haut? Il est où? Il est là. Il est là, il y a quelque chose qui bouge là. Elle est magnifique cette chambre, Ibrahim. Est-ce que tu voudrais un lit comme ça, Ibrahim? Ouais. Il coûte vraiment pas cher, regarde. Il coûte 159, c'est un lit réversible. Je vois c'est quoi le style de lit. Un jetpack. Un jetpack. C'est trop trop beau, ils ont fait un trop joli truc en tout cas. Ça j'aime bien les... Ah, je savais pas qu'on pouvait les fermer. Les gars, abonnez-vous. Ah, pouce. Regardez, il y a même des activités à disposition. Ah, mais c'est des faux. Ah oui, tout à fait apprendre. Ah, c'est pas mal. Ikea, vous êtes intelligent. Allez, comme ça, on va trouver d'autres pièces comme cela. Peut-être qu'il y en a des pièces, mais pour les filles. Bon, ça y est, on a fini le côté exposition. Là, on va chercher la petite porte qui me manque. Pour la cuisine, on a pris aussi des trucs pour le rangement. Et voilà, les enfants, ils ont fait la fête. Mais comme c'est presque la fermeture, là. Ben, il reste 2 heures avant la fermeture, ou 1 heure. Comme on pue, on n'a pas fait la douche. Ah, vous n'avez pas fait la douche, vous puez. Vous passez votre temps dans la piscine, douche, piscine, douche. Non. Ah, les rideaux. Allez, on est au rayon des rideaux. Donc là, on va repérer, voir s'il y a des trucs qui pourraient m'intéresser. Et voilà. Surtout d'abord les... Bon, malheureusement, j'ai pas trouvé le... Il nous faut celui-là. Mais il n'y a plus. On ne trouve pas, en tout cas ici. Je pense qu'ils étaient là, mais il n'y en a plus. Voilà, avec ces modèles-là. Et nous, il en faut un spécifiquement comme ça. Bon, on va voir s'il n'y a pas des kits. Ça y est, on a fait quelques petits achats. Bon, heureusement, on n'est pas sorti les mains vides. Malheureusement, on n'a pas trouvé les rideaux, les voilages et tout ça. Donc, au moins, on est sorti avec la porte qui manquait pour la cuisine et des petits sacs de rangement. Allez, on est où maintenant? On est à le vrai Auchan. Le vrai Auchan, parce que nous, on a le faux Auchan, c'est ça? Oui, Auchan. Avignon Nord. Grand géant magasin. Ouais, il est géant. Tu te rappelles où est-ce qu'on avait fait l'activité de, des sorciers, des apprentis sorciers? C'était pas, c'était comme sur Avignon, mais pas celui-là. On a gagné des bonbons. Non, t'as gagné une baguette magique. Et porte d'orange. Hein? Ah oui, il y avait les. Oui. Vous avez eu que des bons goûts? Ouais. Et c'était un bot. Là, on fait des repérages et à Auchan, je trouve qu'il y a pas mal. Ça, c'est plutôt un sac de sport, Ibrahim, si tu fais du foot ou, non. ou une activité sportive. C'est pas un sac d'école, en tout cas, c'est sûr et certain. C'est un sac de piscine, à la rigueur. Ça, c'est un sac de piscine, voilà, quand tes habits sont mouillés, tout ça. Et Mouna, elle repère, elle regarde s'il n'y a pas un sac pour l'école qui va lui plaire. Il n'y a rien qui te plaît, mais t'as pas bien regardé. Moi, j'en ai vu un qui est pas mal, mais... Mais montre où il est. Il a l'entrée là-bas. Pierre. Oh, c'est pas mal ça, Minecraft. Montre, tu l'as trouvé où? Moi, c'est une lunchbox. Ah, c'est pour mettre le goûter, ouais. Ouais, je pensais que c'était. Pour mettre les affaires. Oui. Pas mal, il est bien, Ibrahim. Hein, tu as bien trouvé. Ça y est, vous avez fait vos petits achats là? On va faire un petit goûter dehors. Ouais. Mais vous savez que c'est la nuit déjà? Ah, c'est les vacances, hein, c'est ça les vacances. Hein. C'est pas regarder l'heure surtout. Hein? Allez, maman! Maman! Mais
Tu savais qu'il fait nuit dehors? Ah ouais. Et ouais, c'est la nuit, on est encore dehors là. Vous allez encore aller à la piscine la nuit? Oui. Ah hier, on est enfermé, le magasin, là, tout le magasin il est fermé, on est resté enfermé dedans là. Il y a des gens. Oui, mais on est tous enfermés là-dedans. Et ouais, parce qu'on a trop tardé là. Regarde, Ibrahim, on est enfermé dans le magasin. Il y a un truc en haut. Ah ouais. Film. Attends. Il y a un truc en haut. Je l'ai zoomé. Il est où? Il est là. Là. On dirait un sac poubelle ou une bouée. Bon, on a fini par sortir du magasin. Heureusement, on était les derniers dans le magasin. Et en fait, toutes les portes étaient fermées sauf une seule. Et il fallait la trouver en fait. Donc là, on rentre à la maison. Et voilà, c'était une frayeur. Les enfants, ils ont commencé à paniquer. Il y a Ibrahim, il a commencé à avoir très 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 mal au ventre. Hein, Ibrahim? Moi, j'ai commencé à avoir peur. Ouais, on commençait à avoir peur. Mais ça aussi, elle disait qu'elle avait mal au ventre. En fait, ça nous a mis un stress. Moi aussi, j'ai eu mal au ventre. Et bon, on n'était pas tout seul, mais quand même, ça nous a mis du stress. Imaginez un jour pour de vrai. Ben là, c'est un petit peu comme ça, mais pour de vrai, on reste enfermé dans un magasin. Les voleurs. C'est effrayant. Bon. J'appelle direct la police. Ben oui, ils vont venir nous sauver. Il faut avoir le téléphone. Et on est rentré à la maison. Là, je viens de préparer le dîner. J'ai fait quelque chose de rapide vu qu'on est rentré tard. J'ai fait des pâtes bolognaises avec un peu de fromage. Oui, mon cœur. T'as fait un boboula? Oh, il paraît bien, c'est fait un boboula. On va manger. Là, j'ai installé les enfants devant le film de Pinocchio. Les enfants, ils étaient devant le film Pinocchio, mais ils n'ont pas accroché. Donc, bon, allez, va les manger. Là, j'ai nettoyé les chaises parce qu'elles sont vraiment horribles à nettoyer, ces chaises. Donc on a arrêté de manger sur la table. Hein? On regardera un autre film demain par contre. Là on va manger, brosser les dents, dormir. Qu'est-ce que je voulais dire? La table ça va, mais par contre les chaises c'est une horreur, une horreur. Les miettes elles rentrent là. Hop. Ouais, elles rentrent entre le petit coussin qu'il y a là et là. Et en fait ça rentre là. Les miettes. Donc là, il y a plein de miettes. Donc même nous, les chaises d'adultes, elles sont pleines de miettes. Donc c'est pas parce que c'est des enfants qui mangent dessus. Et voilà. Ouais, c'est une voiture. C'est les toilettes. C'est les toilettes. Allez, on va manger. Allez, c'est moi, je vais te servir moi. Allez. Ah, peut-être il y a une fête, je sais pas. C'est peut-être un téléphone, Ibrahim, non? Bon, on a super bien mangé, alhamdoulilah. Là, franchement, les yaourts, là, vous voyez, les Eco Plus, là, ils sont super bons. Enfin, ils sont super bons, on dirait que j'abuse. Et je trouve qu'ils sont beaucoup meilleurs que les grandes marques. Pourquoi? Parce qu'il y a du jus. Ah oui, mais ça, c'est dans tous les yaourts, Mouna. Bon, nous, on va clôturer la vidéo ici. Ben, j'espère que la vidéo, elle vous a plu. Voilà, on essaie de partager notre quotidien. Bon, des fois, il y a des trucs intéressants. Avec les morceaux, tu préfères ceux avec les morceaux? Hein, ouais. Ben, j'ai trouvé ceux-là. Yaourt sucré aromatisé. Et voilà, j'ai pas montré, mais le garage, j'ai encore modifié. Et demain, tu viens avec moi demain? Où? Je vais à Action. Je vais prendre des boîtes comme ça, là. Comme j'avais dit, en fait, j'allais changer ce côté-là. Ouais. Et j'ai pris un qui est là et je l'ai mis là, juste à côté de moi. J'ai remis, en fait, comme c'était au départ. Il faut que je referme. Voilà, ça, c'est du linge qui doit se laver là-bas aussi. Donc, voilà. Et voilà, franchement, j'ai essayé de faire en sorte que ça soit plus joli. Bon, il y a encore des détails à régler. Mais dans l'ensemble, je suis assez fière. Donc, voilà. Ouais. Ici, tous les vélos, trottinettes. Tu veux Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux ta maison? Ibrahim, Ibrahim. Tu